Moi, je m'appelle Prisca Demaré. J'ai déjà travaillé avec Stage, dans la première version de Cabaret. C'était une aventure fantastique et un grand chamboulement dans une vie d'artiste. C'est absolument délirant. J'ai pas encore réalisé. C'est à la fois un challenge énorme parce que c'est un rôle mythique. Je pense, quelle est la chanteuse qui n'a jamais rêvé de chanter cette chanson? Je pense que toutes les plus grandes l'ont chantée. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver ma petite version à moi et que cette version-là touche. C'est la plus grande peur que j'ai, le plus grand désir que j'ai. C'est de réussir à trouver le moyen de, chaque jour, chaque soir, toucher au cœur les gens avec cette émotion que porte Grisabelle et que porte ce personnage. Ça a été 6 tours de casting, absolument incroyable à chaque fois de me dire oh, « j'y retourne, ça leur plaît, on me rappelle ». C'est au fur et à mesure de ces 6 tours de casting que je suis tombée amoureuse du spectacle. Parce qu'au début, j'y suis allée en me disant « il y a un casting, j'y vais », mais je ne connaissais pas vraiment Katz. Et c'est au fur et à mesure de ces castings, en découvrant Grisabelle, que je me suis dit « bon, Mahou, mais qui sont ces chats autour d'elle en fait? Qu'est-ce que ça raconte ?» Mais ces chats, c'est toute notre société. Avec ses folies, ses désespoirs, ces personnes âgées, ces personnes très très jeunes, les sages, les pas sages du tout. Et en fait, c'est nous, en fait, dont ça parle. Et Grisabelle m'a touchée parce que je pense que c'est tout ce que j'aurais peur de devenir un jour. Cette femme qui est montée si haut et qui vient mourir au milieu de tout le monde et plus personne ne la regarde. D'un seul coup, on plonge dans un autre monde, comme si je devenais une toute petite souris qui allait dans un endroit où on ne va jamais d'habitude. Et on vient découvrir des pensées, des façons de vivre, des choses qui sont totalement différentes. L'univers de Katz est totalement attractif. Alors moi, je vous invite tous à venir vous laisser troubler par des chats qui vont vous parler de vous-même et j'espère bien qu'ils vont vous parler au cœur. Laissez-vous troubler, en plus c'est super sensuel. Venez.